rencontrer, Suzanne Rossignol. Bonjour. Donc là, on va faire un petit tour d'horizon de ce musée. Vous avez pris en charge avec la société Saint-Jean-Saint-Vincent depuis 2011. Ça commence déjà à faire... Mais vous avez tenu dans les délais, puisque vous aviez prévu la finalisation de travaux pour 2014. Mais est-ce que vous avez réussi à accomplir tout ce que vous aviez projeté? Alors, on a accompli ce qu'on avait projeté pour 2014. Après, on a un bail de 55 ans avec la ville de Paris, donc on a d'autres projets aussi, qui est certains qui sont en cours et qui vont prendre fin cette année. Par exemple, là, on est en train de préparer une nouvelle salle d'introduction à la visite qui permettra aux visiteurs de découvrir la maquette de Montmartre, donc la maquette Faumeur, qui date des années 50 et qui est actuellement dans le musée, dans la maison du Bel Air, qui est l'ancien bâtiment, et qu'on va déplacer pour la mettre en contexte dans une salle multimédia qui présentera aussi une vidéo d'introduction à Montmartre, une petite vidéo d'à peu près 5 minutes qui permettra aux visiteurs d'avoir un peu cet aperçu global avant d'entrer dans le bâtiment. D'accord. Donc ça, c'est un des projets actuels. Pour le local où nous sommes, le lieu où nous sommes, c'est celle-ci. Alors qui ce sera... Voilà, non, ce sera dans l'ancienne boutique en fait, qui du coup n'est plus utilisée parce qu'on a ouvert une nouvelle billetterie boutique dans le nouveau bâtiment qui s'appelle l'Hôtel de Marne. Et cette ancienne boutique qui fait un peu plus de 30 mètres carrés, donc qui n'est pas très grande, servira donc de première salle dans le parcours de visite. D'accord. Donc l'entrée par où nous sommes venus aujourd'hui sera l'entrée définitive. Ça ne bougera pas. Oui, c'est celle-là. On passera plus sous le porche. On passera plus sous le porche, sauf dans le cadre de manifestations exceptionnelles. Mais le porche est juste entrouvert pour permettre de voir les jardins, de voir la maison du Bel Air. Et on passe du coup par la nouvelle billetterie. Ça va pas changer. Ok. Donc pour rentrer dans les jardins, il faut passer par la billetterie. Ça fait partie du deal, hein. Voilà, il y a un droit d'entrée, effectivement, avec des tarifs variables. On a des tarifs réduits, qui est à 9,50€, et 7,50€ pour le tarif réduit, gratuité pour les moins de 10 ans. Enfin, après, il y a différents tarifs. Et donc, il faut, pour entrer dans les jardins, il faut passer par la billetterie boutique, effectivement. D'accord. Alors, ce musée était géré au préalable par une association, l'association du Montmartre. Oui. Ils ont mis à votre disposition tous leurs fonds, les collections, tout ce qu'ils avaient acquis. Comment ça se passe? Comment se passe la gestion? Alors, on a une convention de partenariat avec la Société d'Histoire et d'Archéologie du Vieux Montmartre, qui est effectivement propriétaire de toutes les collections du musée, donc ils nous les mettent à disposition. Par ailleurs, ils participent un peu financièrement à certains travaux de restauration des œuvres. Là, par exemple, on va restaurer les plaques de zinc du théâtre d'ombre du cabaret du Chat Noir, donc avec des restauratrices spécialisées. Et donc ça, par exemple, c'est cofinancé par la DRAC, la Direction Régionale des Affaires Culturelles, et le Vieux Montmartre. D'accord. Et vous en présentez déjà une série, je crois, dans une salle. On en présente une série qui est très abîmée, et donc qu'on va faire restaurer. Mais l'idée est qu'on continue à montrer tout ce qui est actuellement exposé. Donc la restauration se fera sur place, en fait. D'accord. Ça, c'est prévu, par exemple, pour mars. Voilà, donc on continue à travailler avec l'association. Ils organisent toujours, via leur centre culturel, des cycles de conférences, plusieurs fois par mois. Donc ils sont très actifs pour l'histoire de Montmartre et du 9e arrondissement, parce que c'est la société du 18e et du 9e arrondissement. Et par ailleurs, on a d'autres projets avec eux. On est en train de réfléchir à comment, par exemple, numériser tous leurs fonds. Voilà. Donc, D'accord. Oui, vous avez un important fonds, notamment de chansons françaises, je crois. Oui, alors le fonds du Vieux Montmartre présente plus de 5000 œuvres. Donc c'est très vaste. Il y a aussi tout un fonds photographique, le fonds Frémaux, qui est très important. Et effectivement, beaucoup de documents sur la chanson française. Le fonds Frémaux, vous présentez déjà quelques photos, je crois, à l'entrée. Voilà, alors, ce sont des photos fragiles, on ne peut pas les laisser très longtemps, elles sont très sensibles à la lumière, donc on en montre quelques-unes de temps en temps. D'accord. Voilà. Okay. Alors, compte tenu de tout ce que vous faites, des modifications que vous avez apportées, puisque maintenant on passe par les jardins et on longe la vigne, on est tout près de la vigne pour rentrer dans le musée, est-ce que vous envisagez, parce que j'avais entendu parler d'une grande exposition sur Renoir,
pour l'ensemble en 2014. Est-ce que c'est toujours à l'étude? Est-ce que c'est un projet qui reste? Ce projet, non, il n'est pas actuellement à l'étude, ce qui ne veut pas dire qu'on ne le fera pas un jour. Oui, bien sûr. Mais ce n'est pas dans les expositions des prochaines années. Là, on a prévu de faire une exposition donc, à l'automne 2015 sur la Trinité maudite, hein, Suzanne Valadon, Maurice Utriot et André Uther. Parce que Suzanne Valadon fêtera les 150 ans de la naissance du Sénat. Elle est née en septembre 1865. Donc, on souhaite un peu lui rendre hommage avec cette exposition. Par la suite, on aimerait notamment en 2017 avoir une exposition sur les artistes américains à Paris. Donc, pendant la fête du centenaire de la libération de Paris. On a aussi un projet d'exposition sur l'artiste Bernard Buffet. Voilà, ça c'est des projets actuels. D'accord, des super projets. Des super projets. Alors, pour tout ça, d'autres musées vous prêteront des œuvres? Bien sûr. Comme ça se fait en général? Oui, dans tous nos projets d'exposition, on fait des demandes de prêts auprès d'autres musées, aussi bien français qu'étrangers. On n'a pas toujours le budget pour faire venir des œuvres, par exemple, du Japon ou des États-Unis. Oui. Ça, c'est cher en coût de transport et d'assurance aussi. Mais on fait souvent appel à des prêteurs et des particuliers aussi. D'accord. Oui, des particuliers. Vous avez des particuliers qui ont de belles collections, oui. Montmartre. Bien sûr. Alors, parmi les autres choses, donc là, on vient d'aborder le programme pour 2015-2016. Sur l'ensemble du site, vous présentez maintenant une nouvelle exposition. Les durées d'exposition, vous pensez justement les faire assez longues? Alors l'exposition actuelle est effectivement très longue puisqu'elle a commencé en octobre 2014 et qu'elle prendra fin en septembre, donc c'est presque un an. Les prochaines expositions, en revanche, on a prévu des durées de 4 mois. D'accord. Donc on revient à une durée plus habituelle sur la scène parisienne. D'accord, 4 mois. Et la réorganisation de l'ancien musée, donc du musée à proprement parler, oui. Vous allez la transformer, vous allez changer, vous allez prendre d'autres axes, ou là c'est pour fixé. La scénographie, vous voulez dire? Oui. Alors elle évolue un petit peu, mais il n'y a pas de projet de la refondre entièrement, en tout cas pas dans les prochains mois, voire années. D'accord. Des petits modifs, en fonction des œuvres qui ont été restaurées, des prêts qu'on fait, etc. D'accord. Mais la structure actuelle va rester assez... D'accord. Donc les gens sont sûrs de retrouver. Donc là, actuellement, c'est l'ambiance, la fête, c'est le Montmartre festif. Oui, alors on évoque le Montmartre festif, on parle aussi de la commune. Dans 3 salles qui sont dédiées, on parle de la construction de la butte avec le percement de l'avenue Junot. On parle un petit peu, alors ça on aimerait l'évoquer plus, mais c'est difficile avec la place qu'on a, du temps où Montmartre était pas encore annexé à Paris, ou les abbesses de Montmartre, enfin. Oui, intéressant. Et varié pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de Montmartre. Et le cinéma dans tout ça, parce que je crois qu'il y avait aussi tout un aspect fond cinématographique. Pas tant de fonds cinématographiques que ça, mais on aimerait effectivement faire une exposition sur Montmartre cinéma parce que c'est un sujet très intéressant. Tout à fait. Là, c'est pas au programme des prochaines années, a priori. D'accord. Mais c'est un thème à développer, absolument. D'accord. Comme les chansons françaises, c'est pas encore l'ordre. Alors, la chanson française, on va peut-être faire une exposition sur le chansonnier Marcel Lelièvre, qui fête cette année ses 100 ans, enfin, en fait, le centenaire de sa naissance. Mais ce serait une petite exposition dans une salle du nouveau bâtiment. Donc on a une petite salle, mais c'est vraiment des toutes petites expositions qui permettent de faire des petites expositions plus courtes. D'accord. Sur des thématiques qu'on n'a pas l'occasion d'aborder dans les collections permanentes. D'accord. Et pour les ateliers, donc il y a l'atelier de Suzanne Valadon et Maurice Utriot, oui. L'atelier de Renoir, donc c'est l'autre local. Alors l'atelier de Renoir, il n'a pas été du tout reconstitué et oui. Il reste que l'endroit où il a posé son chevalet. Bah c'est oui. Vrai que c'est pas très évocateur. Oui, mais effectivement, les gens posent la question. Oui, donc c'est à l'entrée. C'est en fait dans l'ancienne boutique voilà, qui va justement servir d'espace d'introduction à la visite. Voilà.